De retour pour la deuxième partie de 72 Sports avec Bruno Bourgoin qui nous a rejoint sur le plateau de l'MTV Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Merci euh, d'être sur le, le plateau. On parle athlétisme avec vous évidemment puisque vous êtes le président du Stade Olympique euh, du Maine euh, d'athlétisme. Et on parle d'abord eh bien d'un bel événement qui arrive qui, qui arrive très vite puisque il s'agit de la septième édition du Trail du Château de Montbray parigné lévêque euh, C'est un événement important pour. Euh, pour le, le club, pour le FAM oui, oui, on est club support euh, depuis, la, depuis la création. C'est notre septième édition. Euh, la semaine prochaine, euh, ça se passe bien. On a toujours eu un plaisir d'accompagner euh, l'organisation. Je fais partie de l'organisation avec euh, mon co-organisateur Dominique Chéreau. Euh, voilà, on, a, on a ramené ça en Sarthe en 2015 exactement, et euh, ça nous a bien plu et, et ça marche très bien. Combien d'inscriptions avant de, de détailler le, le programme de ce bel événement On est à combien d'inscriptions pour l'instant À ce jour, on est à 300. 300 inscriptions et vous espérez un peu plus et encore le temps d'avoir de, de, les retardataires qui vont, qui vont s'inscrire. Oui bien sûr oui, oui toujours de toute façon c'est toujours le dernier week-end avant le week-end prochain là, et, et la semaine prochaine jusqu'à jusqu'à samedi on peut même s'inscrire samedi après-midi sur le lieu du sur le domaine du non, château on peut sur place. Oui ça c'est parfait c'est important. Euh, on va regarder l'affiche de ce septième trail du château de Montbray par l'évêque la voici cette affiche il y a plusieurs distances plusieurs courses donc auxquelles vous pouvez euh, participer c'est un trail nocturne hein. euh, je ne sais pas si je l'ai précisé mais c'est un trail nocturne semi-nocturne donc pour les, les premières courses parce que ça commence à, à 17h donc pour la marche active 7km au programme pour cette euh, marche active euh, euh, ça, ça consiste en quoi c'est plutôt pour euh, les personnes qui n'ont pas forcément envie de, de, de courir euh, trop vite fait, et qui le font euh, ouais, ouais, plus dans le côté randonnée, c'est ça C'est ça, randonnée, on peut venir avec les bâtons, avec la famille, euh, tranquillement. On fait le parcours de 7 km, qui est le même parcours que le 7 km euh, découverte qui suit à. Euh, à 17h à 18h45, voilà à 18h45. Ça, c'est le, le trail découverte, donc 7 km, la même distance et le même parcours. Euh, et puis il y a également une course enfant à 17h15, ça, c'est important. Oui. Elle n'est elle pas longue, évidemment, puisque ce sont des, des, des enfants, donc 1,2 km. Mais c'est important de faire participer aussi les, les plus jeunes. Ouais, puis je suis très très contente C'est la deuxième fois que je vais instaurer ça au niveau du, du trail de montbray La dernière, il y a en 2021 parce que l'année dernière on a on est passé à on voulait pas vraiment faire la l'organisation en 2021, j'ai dit hey, pourquoi pas une petite course en France. ça vient plus, euh, j'ai vu que c'était vraiment, ça leur plaisait avec le dossard, la petite ouais. médaille de, de fin de parcours, euh, c'était génial. Voilà. Et puis euh, à 20h, là ça sera place euh, au grand avec le trail magique Montbray, donc avec ce trail complètement nocturne à partir de, de 20h. 14 km au programme. On voit des, des images d'archives justement tournées par Amoun Shamsoudin, donc qui dit nocturne dit la fameuse lampe frontale. Euh, C'est généralement impressionnant. Ça fait des belles images hein, quand de nuit comme ça vous avez un, un sacré peloton qui qui démarre. C'est particulier le trail nocturne. Déjà le, le trail est une discipline à part entière et, et très particulière. Le trail nocturne l'est encore plus. Oui, tout à fait. Puis euh, on aurait tendance, à, je sais qu'il y a beaucoup de participants qui viennent vers moi et en me disant bah, c'est génial moi je sais que en leur posant la question et si ce trail là je le fais le dimanche en plein jour dimanche après-midi non non je viens pas ils veulent voilà ils veulent tous les ans c'est programmé, le trail nocturne de Montbray on venir courir de nuit ça change et puis on a tendance à croire qu'on court un peu plus vite la nuit mais non non c'est voilà c'est autre chose le parcours parlons de ce parcours donc tracé autour du du château hein, de, de, de Montbray, euh, comment, euh, comment est-il Quelles sont les, les difficultés sur ce 14 km enfin, C'est ac accessible km. à tout le monde, euh, ça passe partout, c'est tranquille, c'est un bon petit parcours, on n'a rien de particulier, il n'y a pas de dénivelé, il y a quelques petits, euh, petites montées, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. C'est disponible pour tout le monde, euh, même si on n'est pas licencié, on peut s'inscrire oui, tout à fait, avec un certificat médical et, et on va sur le, le site chronoplace, cela et c'est toujours d'actualité jusqu'à jusqu'à vendredi. Ouais, vendredi midi, euh, on peut s'inscrire. Ouais. On peut même euh, s'inscrire sur place, donc euh, du côté de, de paris l'évêque. Prix des, de, de l'inscription. Euh, je n'ai euh, plus, plus en tête exactement. Euh, je plus en tête là. Alors, je ne peux pas vous dire. <laughs> ça doit être au, sur Chronoplace. Tout est inscrit sur le site Chronoplace. Voilà. Euh, donc, euh, vous trouvez l'événement, le, 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 la septième édition du Trail de Nocturne de, de, du château de montbray paringen l'évêque et vous, vous aurez toutes les informations. Donc, pour, pour vous inscrire, notamment les, les tarifs. Euh, parlons euh, du, du club également, hein, puisque ça va bien également pour euh, le, le stade olympique du, du Maine athlétisme et puis il y a une saison qui arrive il euh, y a euh, début mars les championnats de France de, de cross country qui sont importants évidemment dans le dans le Finistère en, en Bretagne pour vous oui tout à fait on veut renouveler un petit peu ce qu'on a fait euh, l'année dernière au Mureau, au championnat de France là qui, ça s'est très bien passé au niveau des on mise tout encore une fois euh, cette année sur les masters les masters en, euh, qui ont euh, une... En tête chez nous, Patrice Legal qui a remporté le titre de champion de France l'année dernière en, en 2022, avec une très belle prestation là-bas. Et cette année, bah, il est encore le, le, devant avec toute l'équipe derrière lui pour nous emmener encore avec belles, une belle prestation à Carré au championnat de France qui aura lieu le 11 et le 12, exactement 12 mars cette année. Voilà, euh, il est encore euh, voilà champion de France en titre euh, chez lui à quelques mètres, kilomètres de chez lui à carré. Euh, et voilà, il est remonté comme Pozin, euh, voilà comme un, un jeune, un jeune junior. Et puis euh, oui, effectivement, il y avait une belle euh, vice, euh, il y a eu une belle prestation de toute l'équipe hein, puisque oui, vous oui. aviez été vice champion master en, en 2022. C'est ça. L'objectif en 2023, c'est champion de France. Oui. Avec, euh, donc avec Patrice Legal et avec euh, les autres athlètes également. Ça, avec l'équipe entière, euh, montée sur la plus haute marche du podium. C'est ça. Ouais, ça ouais. On vous le souhaite, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres euh, objectifs cette saison en 2023 euh, importants pour tout le, le, le Stade le, Olympique du Maine Non, le cross. Et puis après, on va bien voir ce qui va se, se dérouler par rapport à la suite de la saison cross. Pourquoi pas euh, l'équidème, Je ne sais pas. On va voir ouais. ça avec le, avec le directeur sportif au, au sein du club. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, M. Bourgoin, d'avoir été avec nous sur LMTV SART. Je rappelle que vous êtes le président du stade olympique du Maine. Athlétisme, on vous souhaite bonne chance pour ce euh, trail nocturne. Je rappelle, c'est samedi, hein, samedi 25 février. Donc, avec la 7 édition du trail nocturne du château de Montbray à paris lévêque Vous avez la marche active dès 17h pour le 7 km, le trail découverte. Là aussi, c'est du 7 km, c'est à 18h45. Vous avez la course enfant, si vous voulez faire galoper un petit peu les, les plus jeunes euh, sur euh, moins de 2 km à 17h15. Et puis. La clôture, c'est l'événement phare de cette belle course à, à 14h. Non, à 20h, vous avez le 14 km justement, le trail magique Montbray, donc avec ce, ce trail nocturne. Merci beaucoup. Merci. Et, puis, et puis bonne chance pour ce bel événement et pour la saison 2023 du Stade olympique du Maine. Dans la troisième partie de 72 sports, on parle encore de sport, évidemment, d'athlétisme également. Avec Sandrine Lagré euh, qui va participer à ces troisièmes jeux mondiaux des Transplantés. à tout de suite.